coup clac. Oh. Oh. Ok, nice. Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle map faite par un abonné, une map spéciale bunker avec de la redstone et plein de trucs sécurisés, j'ai hâte de découvrir tout ça, c'est parti. Transition cochon. Ma map Agent GB est créateur, Rayjuego444, abonné à ta chaîne, oh ça fait plaisir, merci. Et en plus il a une chaîne YouTube, magnifique. Bien le bonjour Agent GB, je suis un abo de toi, voici les règles, ne pète rien, j'y ai passé du temps. Ok, ça je vais essayer de me retenir. Certains systèmes ne marchent pas tout de suite. Pour l'escalier, il faut appuyer sur le bouton deux fois d'affilée. Ok, d'accord, je retiens. Sinon, tu n'en auras pas le temps de passer. Signé Rayjuego Rugo 444. PS, rajoute le lien de ma chaîne en description. Débutant 58 abos. Oh là là, ça fait de menaces. Et bah écoute, si jamais tu arrives à me troller, je le considère. Et attention, là, je viens de te faire la pub. Alors du coup, c'est parti. Mon bunker. Visite si tu en as envie. Du coup, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Allez, j'en ai envie, je vais le vérifier. Alors là, on a une petite cache avec... j'adore les... Oh non, la porte qui marche pas, non. L'effet complètement raté dès le début. Parce que les amis, il faut bien regarder la vidéo jusqu'au bout. Parce que si tu connais pas la tradition, il faut bien regarder la vidéo jusqu'au bout pour ensuite mettre une note dans les commentaires. Et là, tu viens de perdre des points, là. Après, c'est vrai que pour sa défense, les portes à piston, quand t'es un débutant, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus simple. En plus, je crois que dans son mail, il m'a dit qu'il avait genre 12 ans. Donc moi, à 12 ans, j'arrivais déjà pas à faire ça. Hein. Je me souviens que quand j'étais petit, genre j'avais fait un test de porte à piston. Oh, qu'est-ce que j'avais galéré. J'avais le tuto à côté de moi et tout. Et j'avais bien galéré. Ok, donc là, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a un système d'ouverture-fermeture. Genre là, même si la redstone est enclenchée de ce... Ok, d'accord. Bref, si elle est déclenchée de ce côté-là, hop, on peut la réactiver de ce côté. Donc ça, il y a un petit peu de complexité et c'est pas mal du tout. Surtout que là, pour le coup, normalement, ça devrait être bien fermé. Genre là, bon là, j'ai un peu cassé la redstone, mais voilà. J'ai cassé la redstone, mais c'est pas grave. Voilà, c'était bien fermé en tout cas. Allez, je continue en mode survie. Du coup là, qu'est-ce qu'on a là? Oh, nice, la porte invisible. Ça, je suis trop fan de ce système. Par contre, c'est dommage. Pourquoi est-ce que il aurait dû mettre le verre ici? Parce que là, l'effet est complètement raté. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a des barrières. Bah dans ces cas-là, il aurait dû faire plus profond. Il aurait dû faire un beacon plus profond et ensuite poser les barrières. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Oh, le petit levier caché qui du coup ouvre les portes et te permet du coup de passer, c'est ça? Normalement je peux passer, c'est ça? Ah mais pourquoi je tombe? Ah peut-être parce que... Ah mais parce qu'il y a le... il y a pas le tapis évidemment. Si je mets le tapis là je vais pouvoir passer normalement. Ok c'est bon, impec. Ok donc là, nouvelle façon de sécuriser un bunker. Alors là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un système caché? Genre là je dois sauter dans la lave et je vais pas prendre de dégâts. Peut-être qu'il y a de l'eau juste en dessous, je sais pas. Allez on va tester ça tout de suite, sur 3, 2, 1. Oui. Et genre je vais pas mourir? Bah, ah bah si je meurs. Bah, attends mais c'est quoi le truc là? Certains systèmes marchent pas tout de suite. Pour l'escalier il faut appuyer sur le bouton deux fois d'affilée. Mais de quel escalier il parle là? Alors là je vois pas de bouton, je vois rien. Alors attends, à moins qu'il y a un bouton caché peut-être. Ah, là il y a un bouton effectivement. Mais alors pour descendre, comment est-ce que je peux faire pour descendre sans prendre de dégâts? Là il y a du fer. Qu'est-ce qu'il a fait là? Genre là je peux. Attends, tac 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 tac. Oh oui, oh oui, oui. Non, je l'avais presque. C'est juste impossible. Attends. Ah oui c'est bon, ça y est. Non, ah bah c'est impossible. Ou alors éventuellement faudrait que je me fatigue un petit peu et que je mange des steaks. Comme ça du coup ça me donne régène. Ah bah mais... Oh je suis aveugle. Oh, oh je suis aveugle. Oh je... Mais je suis aveugle. Je suis complètement aveugle. Alors bref c'est pas grave. Du coup clac. Oh. Oh. Ok nice. Donc là faut que j'appuie sur le bouton deux fois de suite. Tac. Et... Tac, ok. Par contre, ça c'est trop stylé, L'escalier qui s'enclenche, genre juste au niveau des... Et là, du coup, je peux remonter aussi? Ah ouais, très très bien. Et du coup, là, si j'enclenche deux fois, 1, 2, hop là, let's go! C'est trop stylé comme système. Avec la lave et tout, franchement, c'est cool. C'est la première fois que je vois un système comme ça. 1, 2, et en plus, il faut savoir qu'il faut l'appuyer deux fois, sinon ça marche pas. Donc là, pour le coup, c'est super bien, parce que c'est un peu comme s'il y avait un code secret, et en plus, t'as la solution. Du coup, les gens, ils doivent dire, mais what, j'appuie une fois, ça marche pas, je passe pas. Et ben en fait, si tu peux passer, il faut juste cliquer deux fois. Ça, c'est carrément stylé. Ça, je suis super fan. Oh là là, alors là, genre là, je suis censé deviner. Mais attends, mais il y a aucun indice, c'est quoi l'intérêt, là? Faut juste que je devine au pif, pif paf pouf, voilà, non, c'est pas ça. Oh! Incroyable, j'ai trouvé. Attends, et si je fais ça, ça marche plus? Oh, j'ai trouvé, je suis vraiment trop fort. Je suis vraiment trop trop fort. Les combinaisons de portes, t'inquiète même pas, moi j'ai... What? Oh! Oui, il s'est passé quoi? Ah, c'est les plaques de pression. Ouais, ouais. Hey, les plaques de pression dissimulées. Là, tu vois, t'as failli me troller, mon gars. Parce que là, tu t'aurais mis genre une TNT ou de la lave et tout, mais je l'aurais pas vu. J'aurais foncé droit devant. Et là, je me serais bien fait troll. Mais là, pas mal du tout. Ok, du coup, claque dans les coffres. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, du petit stuff. Ça, je me sers. Merci. Le petit bouclier des familles. Et let's go. Oh, c'est sympa ça. C'est la petite déco. Block of coal. Eh ben, écoute, moi, je prends.
Moi, je prends. On sait jamais, parce que si ça se trouve, il serait capable de me trouver en mode hey, est-ce que tu as pris les blocs de charbon? Ok, y a rien d'autre dans le coffre. Ah, du lapis là, je dis. Pourquoi pas, c'est cadeau. De toute façon, j'ai pas de bouquin et j'ai déjà mes items enchantés, donc j'en ai pas besoin. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Faut que j'aille dans le laser. Déjà, je vais récupérer ça. Merci beaucoup. Un peu là, et voilà, let's go. Alors, qu'est-ce qui m'attend dans le laser? Est-ce qu'il y a des pièges? Attends, il y a peut-être des trucs là-dedans. Ok, non, il y a rien. Non, mais on sait jamais, je vous connais. Ah, mais c'est bon, je suis arrivé, je suis dans le bunker, c'était ça la base. Ok, d'accord, c'était la base. Donc là, à partir du moment où je suis dans la pièce, ok, c'est bon, le bunker est fini. D'accord, ok, très bien. Mais franchement, c'était sympa. Moi, je retiens surtout l'escalier qui était juste génial. Et là, en plus, il y a plein de petits système pour faire de la déco et tout, c'est franchement sympa. Dis-moi en commentaire la note que tu lui donnerais. Moi, pour ma part, je vais lui donner la note de 16 sur 20. Transition cochon. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne avec le bouton qui se trouve à gauche de ton écran. N'hésite pas aussi à regarder une autre de mes vidéos avec le bouton qui se trouve à droite de ton écran. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, soyez heureux, la vie est belle. High five!